ce qui m'a interpellée précisément de plus pour moi, c'est participer, partager les expériences pour que chaque participant quand même ait avec quelque chose pour développer ou bien innover, partir avec une innovation récente pour appliquer dans son pays, dans le pays respectif, au cas où ça n'a pas été pris en compte au début. Je ne regrette pas de l'avoir vraiment participé à ce programme parce que je me suis rendu compte que c'est au-delà même de mes espérances. Ça, parce que ça ne se limite pas strictement au niveau des soins, certes. Pas seulement des soins, mais c'est vraiment une vision holistique du système de santé. Donc pour moi, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Aucun pays ne peut se prévaloir à lui seul. Et c'est pourquoi l'échange d'expérience par les leaders permet seulement aux différents pays engagés dans le système de santé communautaire d'évoluer, mais aussi de bénéficier des expériences des autres. Et que si une stratégie réussit dans un pays, qu'on puisse profiter pour la valoriser et la mettre en pratique dans les autres pays, parce que nous pensons que dans une très large mesure, nos réalités sont les mêmes. Si on utilise les données pour la prise de décision, nous saurons en fait où il faut intervenir. Donc ceci, ça améliore même la qualité des soins. La performance du système de santé est basée vraiment sur les données. Sans les données, les décisions ne seront pas vraiment, même si elles sont prises, elles ne seront pas vraiment sur une base factuelle. Et puis, ça peut induire l'intervention à des erreurs. Moi, je pense que c'est un programme merveilleux dans la mesure où il met ensemble les différentes stratégies, les différentes expériences d'une diversité de pays. C'est une contribution un peu plus importante dans la sphère de la santé. J'apprécie beaucoup ce que vous faites ici et je sais que sur le terrain, ça peut changer beaucoup de choses. Et j'exhorte les participants qui sont ici et les anciens à mettre en pratique les connaissances acquises pour ne pas retomber dans la routine. Mais j'encourage aussi d'autres à venir participer à ce programme pour changer les choses. C'est avec le renforcement des capacités à travers ce programme qu'on peut vraiment avoir les capacités nécessaires pour changer les choses. J'interpelle tout un chacun à mobiliser davantage de ressources pour appuyer non seulement le programme, mais aussi de rêver pour y participer à ce programme, parce que c'est vraiment un challenge, c'est un défi pour l'Afrique.